Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club pour jouer cette partie du lundi. La partie du lundi, je vous le rappelle, c'est une partie normale, aléatoire, 100% aléatoire, tirée par le logiciel, mais sans aucune intervention de ma part, contrairement aux autres parties de la semaine où je vous propose des, sans forcément préparer bien évidemment, mais des parties qui restent agréables à jouer, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de parties qui vont dépasser les 22-23 coups. Mais là, c'est de l'aléatoire total, donc c'est l'ordinateur qui tire les tirages, et puis moi, je n'interviens pas dans les tirages, uniquement dans le choix des mots. Vous savez, quand il y a plusieurs solutions au top, on est censé choisir celle qui ouvre le mieux la suite de la partie. Donc ce sont les seules interventions, comme en club ou en tournoi, hein, auxquelles je procède. Voilà, donc à l'issue de la partie, le traditionnel décodage. On va passer en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-tops. On verra les définitions des mots peu courants et puis également les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions 7, 8, parfois 9 lettres, que nous n'aurions pas vues pendant la partie ou pendant le début du décodage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne partie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà et puis à en parler autour de vous. Voilà, vous êtes actuellement 800 abonnés. Ça grimpe, ça grimpe. Je vous rappelle qu'on a un objectif à 1000 pour pouvoir ouvrir de nouvelles choses. Allez, on y va. Je vous souhaite une très bonne partie. Le tirage qui est en bas, c'était juste pour faire joli. On enlève tout ça et on part avec un premier tirage. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Voici Uruguay, U. Suisse, S. Maroc, M. Norvège, N. Italie, I. Belgique, B. Et votre première lettre blanche. Vous jouez avec Uruguay, Suisse, Maroc, Norvège, Italie, Belgique et Joker. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce premier coup est à 74 points. Faites attention à la solution choisie.
Le Joker sera un O d'Océanie, horizontalement en H8. Faites également attention à la place, nous jouons en H8, nous partons de la case centrale. Omnibus, Joker O d'Océanie, M-N-I-B-U-S. Nous avons joué Omnibus, O-M-N-I-B-U-S, en H8 pour 74 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici un nouveau tirage. Uruguay, U. Océanie, O. Italie, I. Suisse, S. Roumanie, R deux fois. France, F. Vous jouez avec Uruguay, Océanie, Italie, Suisse, Roumanie deux fois et France. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 61 points. Faites extrêmement attention à la place retenue. Nous allons jouer verticalement en 8C. En 8C, en appui sur le haut joker de Omnibus, en descendant souffroir. S, O, U, F, R, le haut joker de Omnibus, I, R. Souffroir, attention, c'est en 8C, c'est le deuxième haut du mot qui se croise avec Omnibus. Souffroir en 8C, ça fait 61 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici Algérie A. Roumanie R. Italie I. Égypte E. Italie I, c'est le deuxième. Grèce G. Danemark D. Vous jouez avec Algérie, Roumanie, Italie deux fois, Égypte, Grèce et Danemark. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Verticalement en 11 E. Une nouvelle fois, on va faire attention à la place. Nous jouons en 11 E. Sur les deux cases roses, en appui sur le I de Omnibus, nous descendons diriger D-I-R-I de Omnibus, G-E-A-I. Attention à la place, donc diriger D-I-R-I-G-E-A-I, c'est en 11 E. On recouvre les deux cases roses, ça fait 90 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici Luxembourg L. Tunisie T. Luxembourg L, c'est le deuxième. Xénophon X. France F. Uruguay U. Égypte E. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Tunisie, Xénophon, France, Uruguay et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 70 points. Faites une nouvelle fois attention à la solution et à la place également. Enfin, une nouvelle fois attention à la place et à la solution. Enfin, faites attention à tout, voilà. Donc verticalement, en 10C, pour coller à gauche des deux premières lettres de diriger, nous descendons flux, F-L-U.
X. Le U forme OUD avec le D et le X forme XI avec le I de diriger. Nous avons bien joué FLUX, F-L-U-X, en 10C pour 70 points. Vous avez un reliquat de 3 lettres, Égypte, Luxembourg et Tunisie. Ajoutez Québec, Q, Québec. Hongrie, H. Égypte, E, deuxième. Maroc, M. Vous jouez avec Égypte deux fois, Luxembourg, Tunisie, Québec, Hongrie et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 29 points. Horizontalement en M11, de façon à mettre un T au bout de diriger, nous posons thème. T-H-E-M-E. Le T transforme diriger à I en diriger à IT. Thème, T-H-E-M-E, en M11. Ça vaut 29 points. Un reliquat de deux lettres, hein, Luxembourg et Québec, que vous allez rejeter. Vous rejetez le L et le Q. Et on repart avec Luxembourg L. On n'a pas envoyé très loin. Océanie O. Kenya K. Kenya. Norvège N. Égypte E, Luxembourg L, c'est le deuxième, et Algérie A. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Océanie, Kenya, Norvège, Égypte et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 72 points. Verticalement en 15 cas, on appuie sur le deuxième E de thème. Nous descendons. Aken. A, K, le E final de thème. N, E. Aken, A-K-E-N-E, en 15 cas, ça fait 72 points. Un reliquat de trois lettres, Luxembourg deux fois et Océanie. Auquel nous ajoutons Égypte E deux fois, Venezuela V, et Roumanie R. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Océanie, Égypte deux fois, Venezuela et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 34 points. Horizontalement en L8, on appuie sur le dernier I de diriger. Nous posons Vélie. V-E-L-I-E. Le E final formant E-E-H avec le H de thème. Vélie, V-E-L-I-E, en L8, ça rapporte 34 points.
trois lettres au reliquat, Luxembourg, Océanie, Roumanie. On ajoute Danemark, D. Maroc, M. Italie, I. Et Joker, lettre blanche. Vous jouez avec Luxembourg, Océanie, Roumanie, Danemark, Maroc, Italie et Joker. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Vous ferez très attention à la place du joker qui va remplacer un L de Luxembourg horizontalement en O8. Pour terminer sur le E de Haken, nous posons Mordille. M-O-R-D-I. Le joker qui remplace un L de Luxembourg, le L du tirage et le E de Haken, le E final de Haken. Donc attention, le joker, c'est le premier L. Mordille, M-O-R-D-I-2-L-E, en O8, ça vaut 80 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Suisse S. Égypte E. Jordanie J. Algérie A. Grèce G. Norvège N. Uruguay, U. Vous jouez avec Suisse, Égypte, Jordanie, Algérie, Grèce, Norvège et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top s'élève à 88 points. Verticalement en 13C, on appuie sur le U de Omnibus. Nous descendons en Juga. E-N-J-U-G, U de Omnibus, A-S. En Juga. E-N-J-U-G-U-A-S en 13C, ça rapporte 88 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici cette nouvelle lettre. Canada, C. Roumanie, R. Algérie, A. Uruguay, U. Luxembourg, L. Norvège, N. Algérie A, deuxième. Vous jouez avec Canada, Roumanie, Algérie deux fois, Uruguay, Luxembourg et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-douze points. Horizontalement en C1 pour terminer sur le S de souffroir. Nous posons canular. C A N U L A R et le S de souffroir. Canular, C-A-N-U-L-A-R-S en C1. Ça vaut 72 points.
Aucune lettre au reliquat. Voici Venezuela, V. Égypte, E. Norvège, N. Égypte, E, c'est le deuxième. Wallonie, W. Zambie, Z. Égypte, E, c'est le troisième. Vous jouez avec Venezuela, Égypte trois fois, Norvège, Wallonie et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 42 points. Verticalement en 1A. Pour terminer sur le C de canular, nous posons ZEC. Z-E-C. ZEC 1A, ça fait 42 points. Un reliquat qui compte 5 lettres, Égypte deux fois, Norvège, Venezuela et Wallonie. On ajoute Océanie, O, Portugal, P. Vous jouez avec Égypte deux fois, Norvège, Venezuela, Wallonie, Océanie et Portugal. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. En 4 points. Verticalement en 6B sur le A, le deuxième A de canular. Nous posons WAP. W A P. WAP, WAP en 6B, ça fait 34 points. On verra les autres possibilités. Alors sur ce coup-là, il n'y avait peut-être pas grand-chose d'intéressant, mais sur les coups à Scrabble, etc., on verra tout ça pendant le décodage tout à l'heure à la fin de la partie. Alors, un reliquat de 5 lettres, Égypte 2 fois, Norvège, Océanie et Venezuela. Nous ajoutons Égypte E, ça en fait 3. Océanie O, ça en fait 2. Vous jouez avec Égypte 3 fois, Norvège, Océanie 2 fois et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 28 points. Attention à la solution choisie. Verticalement en 12A, en collante à gauche des premières lettres de Anjuga. Faites attention aussi à la place, hein. Donc nous jouons à gauche des premières lettres de Anjuga avec VEN, V-E-N-E. Le N forme ne avec le E et le E forme en avec le N de Anjuga. VEN, V-E-N-E en 12A, ça vaut 28 points.
Trois lettres au reliquat, Égypte, Océanie, deux fois. Nous les rejetons. Vous rejetez le E et les deux O. Et on repart avec Québec, Q, Québec. Belgique, B. Italie, I. Norvège, N. Tunisie, T, deux fois. Et Océanie, O. Vous jouez avec Québec, Belgique, Italie, Norvège, Tunisie, deux fois. Et Océanie, chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Entre 3 points. Horizontalement, en A10, on appuie sur le V de veine. Nous posons OB20. O, B, le V de veine. NT. OB20, OBVINT en A10, ça fait 33 points. Deux lettres reliquats, Québec et Tunisie. On ajoute Égypte E, Italie I, Algérie A, Hongrie H et Roumanie R. Vous jouez avec Québec, Tunisie, Égypte, Italie, Algérie, Hongrie et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 62 points. Verticalement en 2B, en appui sur le A disponible de canular, nous descendons Tarika. T-A-R-I-Q-A. Le T forme E-E-T avec le E de ZEC. Tarika, T-A-R-I-Q-A, en 2B. Ça fait 62 points. Deux lettres reliquats, Égypte et Hongrie. Nous ajoutons Algérie A, Égypte E, c'est le deuxième, Suisse S, Algérie A, également le deuxième, et Danemark D. Vous jouez avec Égypte deux fois, Hongrie, Algérie deux fois, Suisse et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-neuf points. Horizontalement en E1, en appui sur le I de Tarika. Et de façon à mettre un S au bout de WAP, nous posons ED. A-I-D-E-E et le S qui vient au bout de WAP. Aider, A-I-D-E-E-S en E1, ça vaut 29 points.
deux lettres au reliquat, Algérie et Hongrie. Nous ajoutons Luxembourg, L. Portugal, P. Algérie, A, c'est le deuxième. Yougoslavie, Y. Italie, I. Vous jouez avec Algérie deux fois, Hongrie, Luxembourg, Portugal, Yougoslavie et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante-quatre points. Verticalement en 1G, en partant à gauche du A final de Tarika, nous descendons l'ayé. L, A, Y, A, I. Le L forme la, L, A, avec le A de Tarika. De Tarika pardon. Layé, L-A-Y-A-I, en 1G, ça fait 44 points. Un reliquat de deux lettres, Hongrie et Portugal. Nous ajoutons Uruguay, U. Océanie, O. Suisse, S. Océanie, O, c'est le deuxième. Et Tunisie, T. Vous jouez avec Hongrie, Portugal, Uruguay, Océanie deux fois, Suisse et Tunisie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Points horizontalement en A4 de façon à transformer WAP en SWAP. Nous posons HOSTO. H-O-S-T-O. Le S vient devant WAP pour faire SWAP. HOSTO, H-O-S-T-O en A4. Ça fait 52 points. Deux lettres au reliquat, Portugal et Uruguay. On ajoute Égypte, E. Tunisie, T. Océanie, O. Suisse, S. Tunisie, T. C'est le deuxième. Vous jouez avec Portugal, Uruguay, Égypte, Tunisie deux fois, Océanie et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 75 points. Horizontalement en M2 pour terminer sous le V de Véli, nous posons Toupé. T-O-U-P-E-T-S. Le S forme versus avec le V de Véli. Toupet, T-O-U-P-E-T-S, en M2, ça fait 75 points. Donc nous avons bien joué le mot en Scrabble, hein, en M2, Toupet, T-O-U-P-E-T-S, formant versus avec le V de Véli, pour 75.
aucune lettre reliquée après ce Scrabble. Vous avez peut-être déjà commencé à prendre les trois dernières, à savoir Canada C et Égypte E deux fois. Vous jouez avec Canada et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie aléatoire, normale aléatoire, est à 16 points verticalement en 5 quarts. On appuie sur le P de toupet, nous posons CEP, C-E-P-E. CEP, C-E-P-E en 5 quarts, ça vaut 16 points. Voilà qui termine cette partie donc en 20 coups pour un top cumulé de 1085 points. Voilà une très belle partie hein, malgré le caractère aléatoire. ça c'est pas voilà partie assez fluide, 20 coups, un beau score. On va décoder ça tout de suite. Quelques Scrabble difficiles, notamment quand c'est des Scrabble uniques. Allez, on décode ça tout de suite. Allez, on y va pour le décodage de cette partie. Donc, partie aléatoire, normale, qui a duré 20 coups, donc assez rapide, assez fluide, plus de 1000 points, donc une jolie partie, pas mal de Scrabble, oui, quelques Scrabble, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous rappelle le principe du décodage hein, sur la chaîne Duplicate Club. On passe en revue dans un premier temps tous les coups de la partie pour voir les principaux sous-tops et les isotopes. Deuxième temps, je vous fais défiler et je vous en donne lecture les définitions des mots peu courants de la partie. Et puis, troisième temps du décodage, on passe en revue les tirages de la partie pour en voir le potentiel, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et puis 9 lettres parfois que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie ni pendant le premier temps du décodage. Voilà, et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. La première, c'est quelques mots de la partie que je vous invite à retenir. Notez que parmi eux, dès que c'est une interjection comme évoé avec un avec ou sans h, E-V-O-E, avec des accents sur les E, ou E-V-O-H-E, c'est invariable. Voilà, l'interjection est toujours invariable. Et donc voilà, vous avez Aken avec ses différentes graphies, Kena qu'on a joué avec un K qui peut s'écrire aussi Q-U,
Le verbe enjuguer, le nom féminin zec, wap et swap, on peut prolonger, donc qubit, qubit, et tarika, nom féminin, le verbe obvenir. Voilà, vous avez tout qui défile. Et puis, en dessous, alors la deuxième ligne de ce bandeau vert, hein, en général, c'est soit une petite liste, soit une astuce, soit une info de vocabulaire inspirée par la partie, là, comme on a joué zec. Je me suis dit, je vais vous proposer tous les petits mots de trois lettres avec le Z. Alors, bien sûr, les plus aguerris d'entre vous les connaissent par cœur. Mais pour les gens qui veulent s'initier, qui veulent apprendre quelques nouveaux mots, qui débutent, eh bien voilà, vous avez donc tous les mots de trois lettres qu'on peut jouer avec le Z. Alors, notez bien sûr que quand un mot se termine par un Z, comme gaz, fez, nez, rat, etc., on ne met pas de S pour le pluriel, hein. Et puis donc, voilà, comme indiqué, tous ce sont des noms masculins, sauf si on précise. Donc Zen est également un adjectif, Zoé un nom féminin. Et puis là, pareil, vous avez deux interjections, pardon, Zou et Zut, qui sont donc de ce fait invariables. Voilà. Bon, la petite abréviation IC signifie indication contraire. Voilà. Je vous laisse regarder et puis pendant que le décodage se déroule, vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, alors au premier coup, deux Scrabble possibles, pas facile du tout. Il fallait faire la terminaison bus, qui est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de mots avec bus à la fin, mais voilà. On en a deux ici, omnibus et minibus. Donc les deux faisaient 60 coups. 14 en plaçant le B sur la case bleue, et c'était oui, je suis en train de vérifier. On avait presque niobium, mais il manque une lettre d'appui puisque c'est au pluriel. Et donc, si on ne scrablait pas, on avait boum, bousin, bruni à 20 points, bum du verbe boire, burin, butin, tout ça, ça fait 20 points. Il n'y avait pas mieux. On a nimbus en main, N-I-M-B-U-S, qui fait 20 points aussi, sans le joker. Et donc, retenez que nimbus plus joker, on peut faire minibus et omnibus. Voilà. Alors, le coup suivant, du coup. Alors ça, c'est un coup très difficile. Déjà, il faut connaître le mot. Et puis, en plus, sa construction est très délicate. Éventuellement, sur un A, on avait fourré, A-I-S, pas de A. Et seul le Scrabble possible, le souffroir, qui passe à deux endroits différents. Mais dans les deux cas, pour 61... Ça peut faire mal, puisque 61 points, le sous-top est à 24 points avec fourbir ou fourbi. Et bouif, fourbi sans laisse, ça fait 22. Tout ça, c'est en double sur le B de Omnibus. On a un suif en collante à 20 points en I8. Alors, le tirage d'après. Cette fois, on a ERAI, plus facile pour scrabler. Guideret, par exemple, sur le U. Digérer, ERAIS. Dirigea. Alors ça, je connais pas, je vais regarder ce que c'est. Ah oui, voilà, c'est le gentilet agadirois qu'on peut aussi écrire, enfin pas écrire, mais c'est deux gentilets, c'est deux fois la même chose. Hein. Gadiri, gadiri, ie, c'est un adjectif, le gentilet pour agadirois de la ville d'Agadir. Bien sûr que Agadir n'est pas dans l'ODS. Voilà, vous voyez, Agadirois, Agadiri, c'est la même chose. Les deux mots sont rentrés dans l'ODS en même temps. Récemment, enfin il y a 2020. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le dirigé qui passe en quadruple à 90, c'est la seule solution à ce score. On a également bridgé à 76. Égalé par guideret, je l'ai dit, dégrisé. Et puis après, vous avez un peu tout ça qui passe à différents endroits. Girafidé, à noter, dénigré, 68, 69. Gindré, dirigera. Voilà. Pas mal de Scrabble avec ce tirage. Donc, beaucoup qui passent. Alors ici, on a le if là qui est intéressant. Mais c'est battu avec le F qui en pivot et le X qui double, ça fait beaucoup de points. On a feu et flux à cet endroit-là.
à 62, mais c'est dépassé par le X en pivot sur la case bleue foncé, les mêmes mots, feu et flux, qui forment Oud et Xi, ça fait 70. Même place, on enlève le F. Et on a aussi deux solutions, E et Lux, à 66. Ensuite, on descend en bas, donc je viens de le montrer, pardon. Et puis, 45 points en F10, on a Fieux. Et en 12A, Fluxé. Voilà. Le coup d'après, alors le T au bout de dirigé, et on fait Tem. Tech avec le Q qui double, 25. L'M et le HM à 24. TTHE, bah même place que TEM, à 23. Voilà. Alors ici, le K sur la case bleue et le mot qui double, on a Kena à 69 et le top Aken, on verra la définition après, à 72. Et sinon, ailleurs, enfin, c'est le seul endroit où marquer pas mal de points. Ailleurs, on ne dépasse pas les 33. Le K qui triple tout seul, Kena, Kern, Kora, Koré. Oka au pluriel, Saké, tout ça, ça fait 33 points. Alors, j'ai pas vu tous les appuis encore. Voléier sur un Y, on n'a pas de Y. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres possibilités. Véli, on verra la définition après. Qu'on pourrait prolonger en enseveli, par exemple. Je dis par exemple, je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités. J'ai pas fait la recherche. Véli donc à 34 points, même place, levier 32, volerie également 32. Revoit, donc en faisant IE en fait, hein, et le H, on récupère le H, on marque des points, là on marque 30 points avec revoit, évier fait 28, viol 26, etc. Et après on est en 14B en mot double, avec revol, vérol et révolu pardon, en 13C, voilà c'est encore un mot double à 24 points. Le coup d'après, Milord en main au pluriel, démolir sur un E, mollarder sur un A, on verra tout à l'heure les autres appuis. Mordille, c'est le top à 80, Milord qui passe à 74, et ensuite on ne scrabble plus, on a l'amido en 14B à 24 et vomi en 8L pour le même score en triple. Le coup d'après, Enjuga sur le U, seul scrabble, ça peut faire mal. En sous-top à 46 points, on a Juge et Jeans. En 12A, pour respectivement, j'ai dit 46 et 44. Alors, canular en main, pas facile. Il passe au pluriel et c'est le seul Scrabble, donc encore un Scrabble unique. Ça peut faire mal. 24 points pour le sous-top en 12A, plusieurs solutions, Kala, Kana, Kula et Kura. À noter un superbe anathème. On rajoute trois lettres devant thème et les trois lettres collent sous les premières de Véli. Pile poil, ça double pas, ça triple pas, c'est dommage, ça aurait fait plus. Ça fait que 23 points, mais c'est très esthétique. Alors, Wenze, quelque part, allez, ici, à 38, le Z qui double et c'est tout. Ça fait quand même 38 points, égalé par enlever en mot double en 5A et le top c'est Zec en 1A pour 42. AV avec le Z qui triple, 2C, 6C, 36 et élevé en 5B en mot double également, 36. Le coup d'après, alors WAP, à cet endroit-là, notez qu'on pouvait jouer Pawnee, j'aime bien ce mot. Nové, Neve, pardon, 12A, ça faisait 25, Ven, 28, PV, 33, et en B1, un joli Evoé à 28. Donc le top c'est WAP qu'on pensera à prolonger d'un S initial en plus du S final. Alors ici, beaucoup de voyelles, les deux O, trois E, le Scrabble est peu probable. Donc justement le Evoé se retrouve maintenant, Ven également, on verra les définitions après. On a les mêmes sous-top pratiquement, on rajoute Novo en 12A à 25. Alors ici... Obvin en triple du verbe obvenir. On est en A10. Ça fait 33. Sous top 5 points derrière avec Qubit. Q-U-B-I-T. Même place, on a Quinto à 26 et Quin à 24.
sont des mots doubles. Ici, c'est un superbe coup. Le Q qui triple, le mot qui double, et puis on est en pivot pour la première lettre. Tarika, ça fait 62 points. Coup de vocabulaire à connaître. Même place sans le Q cette fois-ci. Atteré fait 34 et Attera, Attier, 30. Le coup d'après, hasardé sur un R. Pas de R. Le top est à 29 avec Aidé qui met un S à WAP. Ça fait. On a quoi? Le mot, c'est un mot double. Et puis on récupère les points de WAP. En M7, on a DA à 27. DH. Et le même mot au pluriel en 1G qui fait 27 également. Un autre 27. Et bien tout simplement, on enlève le A de Aidé. Deux points de moins. ID. As en 1G, ça fait 26, et en A4 aussi. Shed, 26 aussi. Alors, le tirage d'après, le coup d'après, on a Leye à 44, même place Leia à moins 3, forcément. Alia, également à moins 3. Et en 14A, le nez avec le A, Y, forme le nez avec, forme nez avec le NE. Ça fait 36. Alors ici, Hosto qui forme Swap, joli coup, 52 points. Sous top, Tofus en L1 qui fait 40, Leye a été. Et puis même place, on a Shoot, Soto, Shot et Topo à respectivement 2x34 et 2x32 points. Alors ici, Toupé sec qui passe d'ailleurs à 75 points pour scrabler. En L1, le mot ne scrable pas, mais rapporte quand même 34. Bon, il ne scrable pas puisque on n'a pas la place de mettre le S final. Et beaucoup de solutions se trouvent ici, vu qu'on a un S et un T, qu'on peut les mettre tous deux au bout de l'ayé et aller chercher un mot double, soupe, top, set, spet, spot, step, stop, etc. etc. Ça fait 30 points tout ça. Et là, on arrive au dernier coup. Le dernier coup, CEP, CEPE, le champignon, à 16 points en double, sous top, CE, CE, en 3G, qui fait là que ça fait que 15 points. Voilà, donc on en a fini avec le passage en revue des coups de la partie. On va passer aux définitions des mots peu courants de la partie. Alors, le souffroir, c'est un local où l'on blanchit la laine par souffrage, avec un seul F, hein. Fourbir signifie astiquer ou préparer soigneusement. C'est un verbe qui se conjugue, c'est un verbe du deuxième groupe, hein, qui se conjugue comme finir. Fourbissant, fourbisson. Bridger, jouer au bridge. La teck en botanique ou en anatomie, c'est une enveloppe ou une gaine. Aken qui s'écrit A-K-E-N-E ou A-C-H-A-I-N-E ou A-C-H-E-N-E, avec un accent grave sur le E le cas échéant. En botanique, est un fruit sec à une seule graine. Le kenaf, pourquoi je l'ai mis? Ah oui, c'était là. On peut remettre un F. On peut mettre un F au bout de kena. Chanvre de Guinée. La véli est une punaise d'eau douce. Enjugué signifie attaché aux joues. Le zec avec un C. Le mot s'écrit aussi avec un K, mais c'est autre chose. Au Québec, c'est une zone de chasse et de pêche contrôlée par l'État. Le WAP, technologie permettant de connecter un téléphone mobile à Internet. Autant dire que c'est une ancienne technologie maintenant. Le PV, c'est une graphie particulière du procès verbal, une graphie familière. Ven, en Afrique, c'est un arbre exploité pour son bois. Évoé, avec ou sans H, dans l'Antiquité grecque, désignait le cri des bacchantes. Obvenir signifie échoir, en droit. Le qubit, nom masculin, unité élémentaire de l'informatique quantique. Tarika, dans l'islam, c'est une communauté mystique. Le DADH, c'est le bisap ou chanvre de Guinée. Le bisap étant également bisab, une variété d'hibiscus ou la boisson tirée de cette plante. Alia, émigration vers Israël des juifs de la diaspora. Leye, aménager une forêt en y traçant des laies. Les laies, en l'espèce, ce ne sont pas les femelles du sanglier, mais des sentiers. Tofus.
Tophus, oui. Nom masculin en médecine, c'est un dépôt d'urate autour des articulations d'un goutteux. Le goutteux, la goutteuse, c'est une personne qui est atteinte de la goutte. La goutte étant une maladie, une infection autour des articulations, ça fait un peu mal. Urate, celle de l'acide urique. Goutteux-goutteuse, voilà ce que je vous disais, atteint de la goutte. Quinto, cinquièmement, donc c'est un adverbe, hein, pas de S. Et puis c'est tout. Voilà, on a vu Agadirois et Gadiri, je vous les avais dit. Et on va passer maintenant, eh bien, au troisième temps de ce décodage, c'est-à-dire les solutions, les potentialités des tirages. Donc je change l'âge. Nous y voilà. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà parmi les 800 actuellement abonnés. Et puis à en parler autour de vous, hein, qu'il y a un peu de monde qui vienne. On a un objectif à 1000, hein, pour ouvrir de nouvelles fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce sera bienvenu. Alors, le premier coup, bon, évidemment, je ne m'attarderai que sur les solutions que nous n'avons pas vues. Les solutions potentielles que nous n'avons pas vues, et puis je zapperai également les pluriels ou les conjugaisons de mots qu'on a vues, parce que sinon, dans certains cas, ça peut être très très fastidieux. Donc là, au premier coup, en appui, on aurait pu avoir dubnium, brunium, ambuion, niobium, bitumen. Et voilà. Alors, le coup d'après, le tirage d'après, fourré, AIS sur un A, souffrir avec deux F bien sûr, et serfouir. Donc ça, c'était pour les 8 lettres. En 9 lettres, en 7 lettres, il n'y avait rien. Et en 9 lettres, on va regarder quand même. Fourbira, ouais, beaucoup de conjugaisons. Je zappe les conjugaisons, il y en a trop. Gaufroir, fribourg, GS. Froidure, froideur, foudrier au pluriel. Fournier, bon, beaucoup de pluriel aussi, hein. Froissure, œufrier, soufrière. Et fourrier au pluriel. Le tirage suivant. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Démaigri. Et les autres, on les a vus plus ou moins. Dégivré. Bon, je ne vous mets pas les 9 lettres, là, il y en aura trop. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Ici, pareil. Ici, pareil. Alors là, on n'avait que volée sur un Y, donc j'aurais cru qu'il y avait plus de solutions avec ce tirage. Et en 9 lettres, Nivérol, Réveillon, volée et puis volée. Alors là, c'est pareil, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de possibilités. Alors, démolir, on n'y passait pas. Démolira, du coup. Mollarder, mordilla, forcément, puisqu'on avait mordille en top. Démêloir, diplômé. Et on va zapper les 9 lettres. Oh, quoique, on va jeter un œil quand même. Bon, ça fait deux jokers, ça fait beaucoup. Ouais, beaucoup de conjugaisons. Joli macrolide et maladroit. Dolorisme. Alors ensuite, jaugeon, il y avait sur un O, quand on a joué en juga, et en 9 lettres, adjugeon, et puis d'autres déclinaisons des deux verbes déjà évoqués. Canular ne permettait pas beaucoup de possibilités. On appuie juste un E pour canulera, et en 9 lettres, on va avoir pas mal, non, même pas, lacunaire. Qui s'ajoute aux conjugaisons de canulé. Ici, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Là, c'est pareil. Ici, ovogenèse sur GS, c'est absolument splendide. Là, on n'a rien, ni en 7, ni en 8, ni en 9. Ici, thériaque. Préparation pharmaceutique considérée comme antidote dans l'Antiquité, enfin non pas dans l'Antiquité, anciennement.
D'accord, je ne connaissais pas du tout. Teriyak, c'est un 9 lettres. On en apprend tous les jours. Le tirage suivant, hasard D et E sur un R. Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Dead Hit, comment ça se prononce? Dead Hit, franchissement simultané de la ligne d'arrivée par plusieurs chevaux de course. D'accord. C'est photo, quoi. En fait, il y a photo. C'est magnifique. Un bel anglicisme. Waouh. Alors, donc ça, c'était le 9 lettres avec un au pluriel, du coup, de ce tirage. Déhalage au pluriel, déphasage, les conjugaisons de déhaler, de adhérer. Et c'est tout. Ah, séfarade, PH aussi. Déphasera, séfarade. Ok. Ensuite, là, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Ici, pareil. Alors là, on a en plus Espouti Petit Tout Utopiste, joli, et Poots ENT. On met en 9 lettres pour jeter un œil, mais ouais, beaucoup de conjugaisons attroupées. Poutsat avec un Z ou un S. Coupette et poussette. Poulotte et poulette. Bon. Et le dernier coup, c'était un tirage à 3 lettres, donc on laisse tomber. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce décodage et pour cette partie, enfin pour cette partie et ce décodage. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt, hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous. Voilà, allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.